Bah voilà, je me présente, Yves Dorof, 34 ans, 1m76, 76 kg, poste de prédilection arrière droit. J'ai terminé là ma 14e saison en professionnel, donc j'ai commencé au FC Nantes, où j'ai passé 4 années en pro. Ensuite, je suis parti à Strasbourg 5 années. Et puis, les deux derniers clubs, à Guingamp pour 3 années et Angers pour, depuis 2 ans. Non, ça, il y a de bonnes sensations. J'ai suivi pendant les vacances le programme que le préparateur physique d'Angers m'avait donné. Donc c'est vrai qu'en étant arrivé ici, du coup, j'avais déjà quelques séances dans les jambes. Ouais, c'est vrai qu'au vu des premiers entraînements, on a tout de suite vu qu'il y avait, il y avait des joueurs qui avaient bossé. Enfin, les joueurs en général avaient bossé pendant les vacances. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas quelqu'un qui a la traîne dans ce stage. On est tous à peu près affûtés, donc c'est déjà une bonne chose. C'est vrai que c'est de bon augure pour la suite du stage, notamment pour les matchs amicaux qui vont arriver derrière. Le fait rien que de venir ici, c'est une démarche personnelle et ça montre bien déjà qu'il y a une motivation encore à jouer. Donc voilà, moi c'est vrai que si je sens encore que physiquement et mentalement, j'ai encore les moyens de pouvoir apporter quelque chose, en tout cas de me faire plaisir. Donc voilà pourquoi aussi je viens ici, parce que je pense que je peux encore faire une ou deux années à un bon niveau. J'aimerais bien me faire un petit dernier challenge sportif, mais pourquoi pas que ça m'entraîne aussi derrière dans ce club-là, sur une reconversion ou sur la possibilité de voir un projet pour l'avenir, l'après-carrière. Avant tout, c'est vrai que je me sens encore capable de jouer, donc j'aimerais bien, tant qu'on peut encore physiquement, profiter de ce métier qui est ma passion. Hein. Ouais, c'est un peu aussi l'aboutissement de cette première semaine et la continuité du stage. C'est vrai que de pouvoir participer à de tels matchs, c'est quand même des équipes qui ont un très bon niveau, des équipes de Ligue 2. Il y aura même sur la fin du mois de juillet, je crois, des équipes de Ligue 1. Donc c'est quand même une super opportunité et ça permet vraiment de... Aussi, comme je le dis, bah, pareil, c'est encore une continuité du stage. Quoi. C'est vrai que c'est, voilà, les matchs, ça fait aussi partie d'une préparation. Donc de pouvoir participer à des matchs comme ça, c'est quand même un avantage. Et c'est vrai que bon, les coachs font en fonction du nombre qu'on aime. Ils vont faire jouer quand même la plupart des joueurs le même temps de jeu. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir aussi avoir ces matchs au milieu du stage. Quoi.